Et salut, allez, aujourd'hui je vous propose de découvrir un nouveau mode sur Automobilista 2. C'est tout simple, c'est l'arrivée de la catégorie GTE, la fin des véhicules GTE, puisque nous avions eu de la part de Reza, ah, je vais vous montrer tout de suite la Corvette, la BMW M8 et la Porsche 911, ce qui ne faisait pas l'entièreté du plateau. Du coup, voilà le mode qui comprend la Ferrari 488, la Ford GT, celle pour laquelle je vais rouler avec sur cette course, et enfin l'Aston Martin. Donc, pour chaque véhicule, de toute façon, vous avez encore, comme d'habitude, toutes les livrées qui vont bien. Donc ça, comme d'habitude, c'est du beau boulot. C'est une conversion, je crois, de P15 si je ne me trompe pas. Donc voilà ce que je vais vous proposer. On va faire ça sur Watkins Glen pendant 5 tours. Et puis, ma foi, rien de plus. Je vous mets, comme d'habitude, le lien du download dans la description. Et on se dit à une prochaine. Bon visionnage pour la course. Allez, c'est donc parti pour 5 tours sur le circuit de Watkins Glen. Je suis 19e, il me semble. On est donc avec la Ford GT. On va tout de suite baisser le traction control que j'avais pas baissé auparavant. Vous voyez la BM à gauche, l'Aston tout droit. Et on va se méfier parce qu'il y a des endroits où il y a un petit peu de mal. La Porsche, effectivement, si. Donc, je vous ai tout enlevé hein, comme indication pour avoir le maximum de réalisme. Et je vais m'aider de mon ingénieur de piste, Croutif. Et de mon dash qui est juste à gauche. Ou alors, quand ça fait taper, qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Protège un peu. Allez messieurs, il faut rouler. Jusque là. Allez, ça passe. On a terminé avec le premier tour, on a gagné quelques places. Ouais, si c'était juste. Oh, ils sont en trois là-bas. Ah, ils sont rapides derrière. Est-ce que je vais pouvoir les prendre? Oh là là, c'est chaud. Ça se bat ici entre l'IA, entre la Ford et la Corvette. La Ferrari est retournée un petit peu derrière. Non, si c'est pas bon. Allez, c'est bon, on est passé. 15e. L'IA, je pense, si je me trompe pas, est à 95 ou 96. Ah, pourquoi elle se décale? Pas bien, monsieur.
bouille à contact. Ça, c'est pas de cadeau entre Ford. Derrière, on retrouve la Corvette et la Féfé qui sont... Oh là, il y a même une Aston. Comment ça me plaît la Ford. Pas trop à l'aise au freinage, pourtant j'ai modifié la balance des freins. On va mettre les feux, hop. Alors je vous conseille ce mode, franchement, comme les autres, très simple à installer. Et ça vous permet de vous faire des bonnes petites courses. Dommage de ne pas avoir réussi à mettre des LMP avec. Pour du multicatégorie, j'avais pas essayé auparavant. Je pense pas que ça soit un problème avec ce mode en particulier, ça va être juste un problème avec les modes. Pourtant j'ai réussi à mettre les GTE de Reiza, donc officiels, et les GTE modés. Pas compris. Allez, on va essayer de se prendre la Porsche. Ce bruit. Oui, là c'est bien pris. Est-ce que je vais pouvoir plonger? Non. Ah, peut-être à l'extérieur. En gardant de la puissance et du grip. Ça passe. Allez, 13e, il reste un tour et demi. On va peut-être pas mettre à 1 le TC, parce que sinon, ça va commencer à devenir être compliqué. Me pousse pas toi. N'en doutez qu'il y a rien à faire. Allez, 12e, ça va être compliqué d'entrer dans le top 10. Mais on va essayer d'aller voir, il y a encore du monde devant. C'est vraiment magnifique. J'ai l'avantage du virage. Ici, si j'étais croisé, ça peut être une bonne idée. Yes! Pélisse.
Et voilà, superbe course, j'ai vraiment bien apprécié, donc je vous le conseille, hein, ce mode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous, on se laisse là-dessus. Je vous dis une bonne journée, à une prochaine. Tchuss.